Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler tout simplement de One Piece Fighting Pass. On va pas encore y jouer parce que l'annonce qui a été faite va parler de sa date officielle. Du coup, que ce soit pour iOS ou Android, le jeu compte sortir tout simplement le 22 avril. Et oui, ceci est une bêta, dans tous les cas, nos données sont gardées, c'est une bêta ouverte, ouverte aux deux plateformes, que ce soit Android ou iOS. Du coup, pour le moment, la façon la plus simple de se transférer pour Android, c'est tout simplement de passer par TapTap, que ce soit la version globale ou chinoise. Du coup, là, je vous mets le petit lien. Comme vous voyez, ça, c'est l'icône du jeu que vous verrez sûrement sur TapTap. Il vous faudra transférer sur ce logo-là. Sur ce, je fais ça. Je vous invite tout simplement à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Concernant iOS, il faudra juste basculer votre téléphone sur la version chinoise. Du coup, normalement, vous, c'est Hong Kong, c'est pas chinois simplifié ou chinois. Du coup, quand vous allez dans vos paramètres pour le mettre en chinois, ça sera pas chinois, mais tout simplement Hong Kong. Pour tout simplement vous inscrire au jeu. Par la suite. Comme vous l'avez vu auparavant sur la chaîne espagnole de Gunlit ou encore la chaîne de, si je ne dis pas de bêtises, de Kirwashi. Ouais, de Kirwashi. Kurwashi, autant pour moi. Il y a la façon où on pourrait tout simplement s'inscrire avec TikTok. Du coup, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur One Piece Fighting Pass et d'autres jeux. Sur ce, ciao, peace.